comment vaincre la solitude dans le temps des fêtes lorsque vous êtes seul ou célibataire, ou en général les deux. Parce que moi, je viens de passer les 4 derniers Noëls en vacances en Floride avec mon ex dans le temps des fêtes. Et là, on s'est séparés. Et j'anticipe pas la prochaine période des fêtes, étant donné que je vais rester à Montréal à moins 15, comme un des top 5 meilleurs moments de ma vie. Donc, pour ceux qui sont dans une situation similaire, je me suis dit, je veux venir partager le fruit de mes réflexions avec vous. Donc, allons-y. Tu sais, pour pouvoir aimer les autres, il faut apprendre à mieux s'aimer soi-même. Donc, il faut faire des petites activités, développer des talents. Donc, vous pouvez, à la maison, vous tricoter un chandail de laine de Noël où c'est écrit « Je t'aime, mais à l'envers ». Comme ça. Pour que tu puisses le lire. Du coup, si vous avez un petit moment d'âne, ça, vous pouvez le prendre, le revirer un peu, puis c'est écrit « Je t'aime ». C'est comme « Ah! » On peut se faire un ami imaginaire. Hein? On n'est jamais trop vieux. Par contre, moi, je suis un peu en froid avec le mien ces temps-ci parce qu'il insiste constamment pour mettre des vieux épisodes de Chambre en ville. Et avec Pete. Il essaye de me regarder quand je prends ma douche et ça me met mal à l'aise. Donc, du coup, moi, je suis en froid avec le mien. Sinon, si vous êtes un peu crédule, un peu naïf, vous pouvez faire des amis rapidement en vous joignant à une secte. Ah, il y a c'est toujours bon, ça. Une option. Par contre, il faut faire attention. Certaines d'entre elles peuvent devenir grivoises si vous choisissez bien votre grand Manitou. Et faut aussi faire attention sur les sectes sur lesquelles on tombe parce qu'ils n'ont pas tous le même prix d'adhérence. Mais j'ai entendu dire qu'ils s'ajustent à votre budget. Donc, ah oui, puis en plus, on est en 2013, donc les options des religions, c'est toujours là. T'sais, si vous n'êtes pas heureux avec votre religion, vous pouvez toujours choisir et changer. T'sais, vous pouvez dire à Dieu dans votre prière que ça ne marche juste plus entre vous et que vous n'êtes pas satisfait de votre relation avec lui. Ou sinon, vous pouvez toujours dire le classique « C'est pas toi Dieu, c'est moi. » Vous avez aussi l'option d'aller au planétarium, ce qui est toujours une bonne chose. Vous pouvez aller au planétarium et vous choisir une planète préférée. Et si... votre planète préférée dans notre système solaire, mais dites-vous qu'il risque d'avoir plusieurs millions d'autres personnes qui ont choisi la même, donc des amis potentiels. Si vous voulez pas sortir de chez vous, il y a plein d'autres options aussi, t'sais, parce que c'est un peu plus solitaire. Vous pouvez faire de la radio à ondes courtes, où vous allez parler à beaucoup d'autres gens qui sont seuls et célibataires depuis très longtemps. Vous pouvez aussi vous partir une courte pointe. Comme ça, vous auriez un point en commun si vous rencontrez quelqu'un qui est né en 1905. Autre option, vous pouvez prendre des cours de Photoshop par correspondance aussi. Comme ça, vous pouvez prendre des photos d'endroits où vous n'êtes jamais allé et vous rajouter dedans et les mettre sur Facebook parce que tout le monde aime ça avoir un ami qui voyage ou un ami qui se tient avec des célébrités. Sinon, vous pouvez toujours avoir l'option de devenir bénévole. Il y a plusieurs centres dans l'itinérance ou peu importe. Ah, nous, on fait ça très bien hein, dans les petites anecdotes. Ben oui, c'est bien. L'itinérance, c'est bien parce qu'en plus... Oui, non, attends, c'est la meilleure façon de se rendre compte du fameux dicton que le malheur des uns fait évidemment le bonheur des autres. Donc, vous pouvez vous sentir mieux en allant aider. Et, oups, je pense avoir un rire là-dessus, mais c'est pas grave. Écoute, en tout cas, je vais te dire une chose. Si Arlette, elle rit pas à ta blague, c'est elle est pas drôle, pas en tout. C'est fini. Ouais. C'est la mort. Ben, écoute, sur la moyenne, ça va. Donc, du coup. C'était ma chronique sur comment vaincre la solitude Mathieu à l'entendre des fêtes. Merci! Bravo.